Le député de Kent Nord. Merci, Monsieur le Président. Je joins mes collègues quand même à reconnaître et à féliciter ces différents organismes-là. Bien sûr, celui du Village of Hope, mais aussi tous les autres organismes dans la province. C'est pas une liste exhaustive. Il y a d'autres organismes qui travaillent dans ce domaine-là, un travail qui est extrêmement important. Mais il faut se rappeler quand même, en tant que législateur, que c'est un travail qui est de dernier recours. Lorsqu'on est à traiter la dépendance, c'est parce qu'il y a du travail en amont qui n'a pas été fait. Mais je veux quand même souligner le travail important qu'ils font. Je veux souligner aussi le fait qu'on a de ces programmes-là qui sont dans des régions rurales, qui est extrêmement important parce que le plus près des réseaux de soutien que les gens sont, c'est très important. Il en manque encore dans certaines régions rurales du Nouveau-Brunswick, mais on pourra certainement travailler là-dessus avec le ministre pour assurer que chaque région ait des centres qui fait ce travail important-là. Pour terminer, je vais quand même dire qu'il faut continuer à viser à travailler sur les racines du problème. Les services en santé mentale dans la province, on le sait que l'intervention la plus importante, c'est l'intervention précoce à la petite enfance, la lutte contre la pauvreté, les services dans nos écoles. C'est vraiment là qu'il faut qu'on mette beaucoup de notre énergie pour peut-être un jour ne pas avoir besoin de centres comme ça. Merci. Time. Thank you. The Minister of Social Development.